l'eau est basse. Donc l'ouverture, c'est vraiment bas dessus. 28 février 1982. Il neige sur Saint-Hippolyte, dans le Jura, au confluent du Doubs et du Dessoubre. Noël Perrin a plus de 70 ans, il est retraité. Jean-Michel Radix, militaire de carrière, a un peu plus de 20 ans. Ah, c'est de l'année passée qu'on avait vu. Oui, une belle grosse là, qui se promenait là, sur le coastau. Là. Je ne sais pas si on va le voir dans le trou, tu sais, la rivière est un peu sale au fond. Là. Derrière la pierre, mais elle n'est pas encore sortie cette année, tu vois. C'est encore trop tôt. Mon avis, l'eau est encore un peu froide. Près de 50 ans les séparent, mais ils sont unis par une passion commune, la pêche. Et demain, c'est l'ouverture de la truite. Leur technique aussi diffère. Le jeune pêche au vairon mort, l'ancien préfère le ver de terre. Tous les trucs qu'il y a. Mais je ne sais pas quelles sont les dimensions des trucs qui ont été déversés. Bon, alors l'avantage de cette monture consiste à prendre un eau, un gros hameçon, numéro 1, numéro 2, à la rigueur de longue tige, à œillet, sur lequel je pose un morceau de corde à piano que je ligature avec du fil de cuivre passé au préalable au papier de verre légèrement de façon à en enlever le vernis. Je prends ma pince, je coupe mon fil, je coupe mon morceau de corde à piano de façon à ce qu'il dépasse d'environ 1,5 mm, 2 mm de l'œillet. Ligature terminée, jugée suffisamment grosse, je soude le tout, c'est-à-dire je pose de la soudure pour boucher toutes les aspérités du fil de cuivre. Hein. Je prends ma lime, je polis comme il faut le corps de mon hameçon, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité qui abîme le verre lors du montage. La première opération consiste à confectionner une barrette. Je tourne autour d'un clou gabarit, ce qui me donne exactement la dimension du trou de ma barrette. Quand elle est passée dans un savon, elle ne collera pas après le plomb. Une fois que j'ai savonné ma barrette, je la centre en passant dans le trou, je la centre bien. Alors là, je vais couler. Je coule d'un coup, hop. J'enlève le trop-plein. Je sors ma monture. Je démoule. Alors là, on se brûle aussi. Je prends le chiffon et je tire sur mon axe. Et la monture sort. Il n'y aurait pas de savon, ça collerait. Donc c'est l'intérêt du savon sur la barrette. Bien sûr, en coulant, on ne peut pas couler précis. Il y a toujours des bavures là autour, mais c'est pas grave. Alors j'enlève ces bavures à la pince, 3-4 coups de pince. Donc je donne un coup de lime pour fignoler. Maintenant je fais ma boucle après mon laiton recuit, une petite boucle. Vous voyez, comme ça. Maintenant je vais mettre cet hameçon-là, que j'ai redressé. C'est un hameçon de mer, un hameçon mou. Et je passe l'œillet de l'hameçon dans ma boucle. J'ai un peu écarté l'œillet de l'hameçon pour qu'il passe dans la boucle. Je redonne un coup de pince pour resserrer mon œillet. Voilà, ma monture est terminée. Alors. L'avantage de cette monture est lorsqu'on la fait travailler avec le son de la canne, le verrouillage naturellement.
Viens voir. Bonjour Michel, comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, ben tout bien, je ramasse 3-4 verrons pour l'ouverture. Oui, mais tu sais qu'ici, sur le Dessoubre, en première catégorie, la pêche n'ouvre que demain. Mais je sais bien, mais c'est l'ouverture demain. Oui, mais tu n'as pas le droit de pêcher même à la bouteille. Si tu veux des verrons, tu vas en deuxième catégorie, tu mets ta bouteille, t'en prends, et comme ça, tu les as pour l'ouverture demain. Écoute, Jean-Pierre, tu crois que tu vas pas faire une histoire pour 15 verrons tout de même? Bon, je sais que tu as une carte, je passe pour aujourd'hui. T'arrêtes et tu ne repêches toute la journée. Oh, ouais, d'accord. Hein, tu ramasses tes verrons et puis tu recommences pas de la journée. Et à part ça, ça va? Ça va. Les cannes sont prêtes pour demain? Bah, nous, demain, c'est l'ouverture, hein. Les cannes sont prêtes. Tout est prêt. Oui. Je pense qu'il va faire bon. Hein. Ah ben disons, ils sont pas bons les vers cette année, c'est dur à les faire monter, voyez. C'est drôlement gelé, hein. Ah, ils sont quand même pas trop vilains. Ils sont pas nerveux, les gars. Au lieu d'assister à l'opération de piétinage des vers. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs vers de terre pour pêcher la truite. À l'ouverture, c'est ce qu'on appelle le ver à tête noire. Alors quand le terrain est propice, aujourd'hui c'est un peu difficile parce que c'était gelé, les vers s'enfoncent. Hein. Mais en saison normale, on arrive très bien à sortir sa quantité de vers pour la journée de pêche. Et c'est le meilleur vers parce qu'il est naturel, il est dur, il est... La truite l'adore. Elle adore ce vers-là. C'est son repas préféré. Voilà, disons-le. On ne peut pas comparer la pêche au vers à la pêche au verron. Tous les deux sont bons. Tous les deux sont bons. Ça dépend des eaux, ça dépend des profondeurs d'eau, ça dépend de pas mal de trucs, mais en général, le ver est toujours bon. Un bon pêcheur au ver dans une rivière comme ici fait sa pêche toute l'année. C'est l'appât, le premier appât. C'est pas comme les cuillères, comme les devons, c'est pas de la quincaillerie, c'est à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici arrivé le jour de l'ouverture. L'ouverture qui est fixée immuablement au 1er mars dans les eaux franco-suisses, quel que soit le jour de la semaine. Le temps s'est remis au beau, mais la rivière reste basse. Dès le lever du soleil, des centaines de pêcheurs des deux côtés de la frontière se sont lancés dans une joute halieutique et parfois oratoire qui n'exclut pas le folklore. À Goumois, il y a 25 km de parcours. Le parcours de Goumois, c'est un très 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 beau parcours. C'est un très très beau parcours qui part depuis le refrain. On traverse les gorges du Tesseret, pleines de rochers et tout ça. Ça se poursuit jusque de côté de Fus, c'est un petit pays, un lieu dit, avant que le Doubs le rentre complètement en Suisse. Alors à ce moment-là, il ne fait plus frontière, il est Suisse. Les eaux françaises vont chez les petits Suisses. En général, c'est meilleur l'ouverture. En principe, c'est bon. Parce que les Suisses, ils sont comme nous, hein, c'est pas grand-chose. Non, personne ne prend rien. Hein. Rien du tout. Rien. Enfin. T'inquiète, vous êtes comme moi. Pas. C'est pas bon cette année, hein. Je n'ai fait tant que je veux m'inquiéter que lui. Oh là. L'année passée, c'était quand même meilleur, hein. Oui, voilà. Ou l'année passée, on est bien pêché, on me rappelle. Oh, bah, tiens, c'était pas dur, hein. C'était tout ce t'es mis. Ouais. Alors, 5 minutes, t'en avais la 6, tiens. On rappelle. Ça, c'est pas de la pêche. Moi, j'ai monté rien, comme je filme. Mais ils n'ont rien mis. Non, mais des petites alors. Que de la petite. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, parce que d'habitude ici, c'est un coin qui est beaucoup deviné, tu vois. Ici, en général, ils en mettent un paquet, tu vois. Pour l'ouverture, quoi. Pour l'ouverture, tout le monde attrape du poisson. Ouais, pour que tout le monde attrape du poisson.
cette année, ils ont mis des truites plus petites. Ah, ils ont mis un maximum de truites entre de 20 et 22 cm. Mmh. Et ils en ont mis quelques-unes de taille, c'est tout. Hein. Juste pour dire que... Quelques-unes. Ouais, c'est ça. Tiens, regarde en face, tu vois. Même que des petites. Hein. L'ouverture, c'est le gros folklore. Alors on s'amusait, alors les gars viennent avec leurs femmes souvent, ça se passe au restaurant, puis toi qu'est-ce que t'as fait, puis patati, puis patata, des histoires à dormir debout. Ce sont des rivières courantes, des rivières calcaires, et pour pêcher la truite, pour pêcher l'ombre, ici il faut connaître la pêche. Ça n'a rien à voir avec les rivières folkloriques de Normandie, où on met des truites d'élevage toutes les semaines, puis qu'on prendrait avec un paquet de gauloises. J'enfile mon verre jusqu'à la distance demandée, suivant la grandeur du verre qu'on veut avoir, suivant qu'on en laisse 3 ou 4 cm ou 5. Et cette petite tige de corde à piano qui dépasse empêche mon verre de glisser et je suis en action de pêche. Pour le matériel, chacun prend un petit peu ce qui lui convient. Certains veulent du matériel sophistiqué. Moi, j'ai une canne à fil intérieur. C'est celle que je préfère parce que ça me permet de passer ma ligne dans des endroits touffus où une grande bannière de 3 ou 4 mètres ne peut pas aller. Vous comprenez ? Alors, puis je laisse glisser mon fil doucement pour aller chercher sous les racines s'il n'y a pas une bestiole quelconque. Moulinet, le moulinet, on peut mettre un moulinet à tambour fixe, on peut mettre un moulinet tout ordinaire uniquement pour avoir une réserve de fil. Ça, le moulinet, il joue aucun rôle. Là-dedans, c'est une réserve de fil, c'est tout. Ben, c'est pas important. On a son plombé au bout. Comme ça, j'ai pas de plomb qui raccroche dans les arbres, qui raccroche à droite, à gauche. Mais mon verre, ça va tout seul au fond de l'eau. Pourquoi tu changes de verron, là? Moi, parce qu'il est déchiré. Hein. Tiens, celui-là, par exemple. Celui-là va être impeccable. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je le tue. Je sors mon aiguille. Je passe mon aiguille dans le fil. Voilà. Ensuite, je passe l'aiguille dans la gueule du verron. Comme ça. Je la ressors à l'anus. Ça. Voilà. Maintenant, je passe mon triple dans le fil. Le nœud qui va bien. Trois tours, clac. Je tire. Un petit coup. Coupe. J'enfile la monture dans la gueule du verron avec le crochet. Je lui cloue dedans la tête, comme ça. J'enfile le triple. Voilà. Le verron est prêt. Qui monte, tu as vu? Même pas d'écrevure. Mais t'as pris ce matin, on enlève ton fil de la mer, tu peux pas pêcher. Moi. Bah, tu peux pêcher maintenant, mais les dehors. Tu es un peu casse-bonbon, hein? Tu as que le train, là? T'as qu'à aller pêcher chez toi, là-bas, c'est de l'autre côté, là. Toi, c'est pas ici. Je vais pêcher chez moi, si tu veux. Ah, t'es chez toi partout, toi? Ah, ben bah, c'est bon, le truc. Ah, bah, ça me fait chier, regarde-toi. Mais t'as lâché les Suisses pour venir ici?
Mais dis un queue étrange, t'es sûr, et puis tu es sur mon fil. Je sais pas pêcher rien. Alors maintenant, tu commences à faire chier, toi, du là-dessus. Et donc, pour dire un territoire français, tu aurais pu prendre la bannière fédérale. Hein? Non. T'es pas chez toi ici. Hein? Tout ira, j'en doute. Je te fous à l'ombre, si ça va pas. Tu veux à tout prix qu'on pêche, ah ben, ouais, t'es regarde celui-là, on veut le décrocher, on lui enlève son chapeau. Tu tiens tout le dos. Hein? Il y a des moments vraiment où la lutte avec un poisson est... C'est au mérite, si on peut dire. C'est fabuleux, parce que quand on voit vraiment un beau poisson, puis qu'on dit, bon, t'es pas monté gros, puis t'as un gros poisson au bout, comment que tu vas faire pour l'avoir? Alors c'est là qu'il faut être calme, patient, et puis lutter. Là, c'est un très bon coin, là. Il y a toujours. On va pêcher un petit remous sous la chute, là. Normalement, il devrait y en avoir une. Hein. Je vais lancer sous la chute, voilà. L'avantage de la monture sur un fond comme ça, par exemple, de galets, hein, c'est qu'on peut lancer le verron, comme ça, et laisser dériver le verron en roulant sur le fond, comme ça, tout en contrôlant le verron. Un peu comme on pêche au verre. Ce qui est important, c'est de sentir le verron au bout de la canne. Ça, c'est très important. Mais là, elles n'ont pas faim, hein, apparemment. Ah, non, encore une. Ah, raté. Oh, j'aime bien qu'il y ait du soleil, hein, au verron mort. J'aime bien qu'il y ait un peu de soleil. Hein. Parce que d'une part, ça me permet de voir le verron, parce que je pêche beaucoup à vue. Et d'autre part, ça permet aux truites de sortir un peu aussi. Parce que par temps couvert, des fois, elles restent sous les cailloux. Hein. Ça, c'est fréquent. On a un caillou, hein, un gros caillou. Et juste derrière, on a un trou. Le trou profond. Hein. Ça nous fait un beau remous. Alors, normalement, il devrait y en avoir une en poste de chasse, là. Je vais lancer. Comme ça, voilà. Je lance dans le bouillon. Je ramène tout doucement. Je laisse couler un peu. Je ramène un peu. Ah, ça y est, en voilà une. La touche. Allez, 3 secondes, j'attends. L'affaire, ça y est. Elle vient. Ah, elle est belle, hein. Elle est pas mal. Ah, elle part dans le courant, là. On essaie de la ramener tout doucement. Elle est belle, elle est rayée. Belle de la rivière, celle-là. Hop. Là, voilà. Ah, elle se défend bien, hein. Courant. Ah, elle prend le fond, hein. Elle arrive. Celle-là, je la prends épuisette, hein, vaut mieux. Joli, hein. Salut Pépio. Ça va? Salut Daniel, ça va? Casse ta croûte? Ouais, bah c'est temps, on va casser une petite croûte. Ah bah oui, j'ai fini de pêcher, moi, j'en ai, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bon, j'ai des fricottes, même. Des belles? Non. Moyenne, toi, 32, 34. Ah bah, le bilan, c'est pas mal. Ouais, oh bah, c'est ce que tu prends au verre, hein. J'en ai fait une pour vilaine au verron, peut-être 400 grammes.
Alors j'ai eu des attaques sans arrêt, des trucs qui sortaient sous les pierres. Est-ce qu'ils ont des attaques la gueule ferme? Elles sont pesées, elles sont sur les cailloux, elles sont dans les caisses. Il faut un tire-bouchon là. Elles sortent, si, si, tiens. On a eu froid ce matin. Oh, dis donc, t'es pas tout seul, hein. Puis là, j'ai cherché un peu le soleil. C'est ce qu'il faudrait, c'est que l'eau monte un peu. Ah oui, elle est basse. Elle est basse pour une ouverture, elle est vraiment basse. Ah non, je suis pas possible. T'as plus de force? Oh, ben voilà le travail. Tiens, essaye, va. Moi, je suis meilleur pour le boire que pour le déboucher. Hein. Ah oui, ah ben ça, je n'ai jamais douté. Hein. Ça, je n'ai jamais douté. Tu es repassé pour un ivrogne? Non, j'ai pas dit ça. Et Jean-Michel, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Je sais pas où il est passé. C'est chouette, la pêche, quand même. Ah, c'est joli. Mais elle n'est pas très fin, parce que on le voit, elle est prise au bord. Hein. Elle est prise sur le bord des lèvres. Hein. C'est un peu normal. Hein. On est au mois de mars. Il fait encore froid. Ben, c'est la truite commune, qu'on appelle la truite Fario. Bon, celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est rayée. Je pense que c'est dû au fond de la rivière qui est calcaire. Tiens, ben le voilà, là, Jean-Michel. Ah, c'est le petit. C'est le pirate. C'est le pirate du coin, lui, c'est. Ah, ça va? Ça va? Oui. Salut, Jean-Mi, ça marche? Oui, ouais, ça va. Oh, j'ai pris une belle, hein? Oui. 1,7 kg, on va monter. Tous les ans, tous les ans. Ah, oui, à tous les coups, c'est pareil. J'ai dit qu'il offre le plus de belles. Oh, elle est belle, dis donc. Oh, c'est joli. Hein. Regarde, oh, les. Ah, là, encore des œufs, dis donc. Il est convenu que ça peut pondre d'œufs, une truite comme ça, elle. 1500, 1800 œufs, ça pond 1000 œufs à peu près par kilo de poids. Alors, si elle fait 3 livres, tu vois, ça fait pourquoi? Ah. C'est des œufs résiduels qui n'ont pas été pondus, cette fois. Oui, oui. Ça. Parce qu'il y a belle lurette qu'elle a frayé ce truc-là. Oh oui, bah maintenant la frayée est finie, hein, depuis novembre-décembre. C'est en début d'hiver que ça se passe. Tu sais comment ça se passe, la frayée d'une truite? Non, c'est une question que je me suis posée. Ah oui, ah, tu pêches. Ça me plairait bien de savoir. Bah, je vais t'expliquer. Si tu... Ah, c'est bien. Ça se passe en novembre-décembre, comme disait Pépio. La femelle arrive sur un fond de gravier, de petit gravier assez fin, puis elle creuse un lit dans le fond avec son ventre en faisant des contorsions. Ouais. Puis elle dépose ses œufs. Et le mâle arrive, et il dépose sa laitance sur les œufs. Il y a des milliards de spermatozoïdes. Et puis dans chaque œuf, il y a un tout petit trou, et le spermatozoïde rentre dans l'œuf, et l'œuf se referme quelques minutes après. Et à ce moment-là, l'œuf va commencer à mûrir. Il y a d'abord deux petits points noirs qui apparaissent, qu'on voit très très bien. Les yeux. C'est les yeux, ouais. Et il arrive un moment où l'œuf est prêt à éclore. Et c'est la queue qui sort la première. Bon, une petite queue qui gigote. Là, le vin sort. Alors, il est tout petit, il mesure 1,5 mm. Deux petits points noirs qui sont les yeux. Une toute petite queue, puis un gros ventre, c'est la vésicule. C'est ce qui va être la réserve de nourriture de la petite truite pendant les premiers moments de sa vie, où elle ne peut pas s'alimenter toute seule dans la rivière. Et puis, petit à petit, cette vésicule va se résorber et l'alevin va prendre l'allure d'un vrai poisson, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître les petites nageoires et puis ça va s'allonger, ça va devenir un joli petit poisson. Mmh. Alors, il y a beaucoup d'œufs qui sont pondus. Et malheureusement, ils n'arrivent pas tous à maturité. Sur 1000 œufs qui sont pondus, il va peut-être arriver seulement quelques dizaines de truites. Ah oui, oh non, 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 ça c'est sûr. Heureusement, parce que... Enfin, heureusement et malheureusement. Si tous les œufs arrivaient à maturité, il y aurait trop de poissons dans la rivière. Ah, quand j'arrive au bord de la rivière, ben, je ne suis plus le même homme. Je me sens dans la nature, j'oublie tout, je pense qu'il y a une chose, c'est la pêche. Si on vous confisque à vos cannes. Ah là, il faut me couper les jambes et les mains, alors, parce qu'à ce moment-là, si je vais pas la pêche, je suis foutu, moi, je suis râpé. Hein. À le bord de l'eau, c'est la moitié de ma vie. Hein. L'hiver, je bricole mes articles de pêche parce que j'attends avec impatience l'ouverture pour aller me traîner au bord de l'eau. Ben, ma foi, tant que je pourrai aller à la pêche, j'irai, mais les jours où j'irai plus, je serai foutu. Ah, si je peux plus me traîner au bord de l'eau, alors là, c'est la fin de tout. Peut-être je finirai dans l'eau, je sais pas, je sais jamais. Qu'est-ce qu'on sait ?